Bonjour, dans cette troisième vidéo, nous allons voir les principales maladies nutritionnelles dues à la carence en vitamines. Alors, c'est quoi les vitamines? Les vitamines sont des substances organiques qui sont indispensables à l'organisme, même si elles n'ont aucune valeur énergétique propre. Alors, ce sont des substances que l'homme ne synthétise pas ou il peut les synthétiser en quantité insuffisante. Donc, si ces vitamines ne sont pas apportées par l'alimentation pendant une durée assez longue, des troubles fonctionnels puis anatomiques apparaissent qui vont s'avérer fatales sur une période plus ou moins longue. Alors, les vitamines, ce sont des cofacteurs d'un grand nombre de réactions biochimiques. Alors, le cofacteur, c'est une substance qui peut être soit une vitamine ou bien un oligo-élément qui est nécessaire pour catalyser une réaction en plus de l'enzyme. Alors, bien sûr, leur apport quotidien doivent être suffisants pour compenser leur perte urinaire et leur catabolisme, et ainsi afin d'éviter toute carence. Alors, un accroissement des besoins liés à un état pathologique ou à la croissance peut révéler une carence en vitamines. Alors, les vitamines peuvent être classées en deux grandes catégories. En effet, selon la solubilité des vitamines dans les milieux aqueux ou lipidiques, on peut les diviser en deux groupes, les vitamines liposolubles, soit la vitamine A, E, D et K, et les vitamines hydrosolubles, le groupe des vitamines B et la vitamine C. Alors, on va commencer par les maladies nutritionnelles liées à la carence en vitamines liposolubles. Alors, la vitamine A, c'est ce qu'on appelle aussi rétinal ou axéroftol. Elle est indispensable à la santé et à la survie de l'enfant. D'abord, elle facilite la croissance et le développement harmonieux et elle protège le corps contre toutes les infections. Alors, d'autre part, la vitamine A, elle est nécessaire à la reconstitution de certains tissus, comme la conjonctive et la cornée au niveau de l'œil. Alors, la conjonctive, c'est la membrane muqueuse transparente qui tapisse l'intérieur des paupières et qui va relier ces dernières plutôt au globe oculaire. Elle va s'étendre jusqu'à la cornée. La cornée, c'est la membrane bombée qui se situe au-devant de l'œil, d'accord? Elle permet aux rayons lumineux plutôt de pénétrer dans l'œil, elle peut aussi les réfléchir. Alors, la vitamine A, elle est nécessaire aussi à la reconstitution de la muqueuse intestinale au niveau du tube digestif et de la paroi des bronches au niveau des poumons. Alors, la carence en vitamine A se traduit par plusieurs signes, parmi lesquels on a des signes cutanés qui se manifestent sous forme d'une sécheresse de la peau et on a surtout des atteintes oculaires telles que la xérophtalmie qui peuvent même aboutir à la cécité. Alors c'est quoi la xérophtalmie? Alors la xérophtalmie, elle est définie comme étant une sécheresse et une atrophie de la conjonctive. Cette dernière va perdre son éclat et va devenir blanchâtre. Ceci va entraîner l'opacification de la cornée et finalement la perte plus ou moins complète de la vision. Alors la xérophtalmie, c'est une maladie des yeux, comme j'ai dit, qui peut conduire à la cécité. Donc c'est une maladie très grave. Alors les signes et les symptômes suivants de la xérophtalmie vont indiquer une carence en vitamine A. Alors le premier signe, c'est une cécité nocturne, c'est-à-dire une difficulté de vision dans l'obscurité. Le deuxième signe, c'est ce qu'on appelle xérosis ou bien yeux secs. Alors la partie blanche de l'œil
perd son éclat et elle commence à se plisser. Le troisième style, c'est ce qu'on appelle les taches de bitote. Ce sont des plaques de petites bulles grises sur la partie blanche de l'œil. Le quatrième signe, c'est l'ulcération de la cornée. On a des lésions au niveau de la cornée, on a un aspect terne et des dégâts au niveau de la cornée. Le cinquième signe, c'est ce qu'on appelle la kératomalacie. La cornée devient molle et elle devient ballonnée. Donc, on a ici des photos montrant des enfants atteints de xérophtalmie. Alors, regardez ici la membrane conjonctive, elle a perdu son éclat, elle est devenue blanchâtre et opaque. Et là, la cornée, elle devient ballonnée, elle commence à se ballonner. Alors, la carence en vitamine A, en plus de ces signes, se traduit également par un retard de croissance chez l'enfant et une altération des fonctions immunitaires avec des infections bronchiques à répétition. Alors, outre la malnutrition sévère, la carence en vitamine A peut être due à un syndrome de malabsorption. Alors, par exemple, une maldigestion des lipides doit systématiquement faire rechercher une carence en vitamine A. Alors maintenant, on va voir maintenant quelles sont les conséquences de la carence en vitamine D. Alors, la vitamine D doit être considérée à la fois comme une vitamine et comme une hormone dont le mode d'action est celui d'une hormone de type stéroïde. Alors, parmi les hormones stéroïdes, vous avez les minéralocorticoïdes comme l'aldostérone, les glucocorticoïdes comme le cortisol synthétisé par la corticostérénale, et vous avez les stéroïdes sexuels synthétisés par les gonades. Vous avez la progestérone, l'œstrogène, la testostérone. D'accord? Donc, la vitamine D fait partie de ces hormones de type stéroïde. Alors, la vitamine D, elle est synthétisée dans les couches basales de l'épiderme à partir du cholestérol sous l'effet des rayonnements ultraviolets de l'ensoleillement. Alors, toutefois, cette synthèse est insuffisante pour couvrir les besoins et un apport alimentaire de cette vitamine s'avère indispensable. Alors, la vitamine D ou cholécalciférol est hydroxylée, c'est-à-dire on a un ajout d'un groupement hydroxyle-OH, d'abord en position 25 dans le foie, puis en position 1-alpha dans le rein, pour aboutir au 1-alpha-25-dihydroxycholécalciférol, qui est la principale forme biologiquement active. Donc, la 1-alpha-25-dihydroxycholécalciférol va se lier à des récepteurs nucléaires et permet ainsi la régulation de l'expression de différents gènes. Alors, la principale fonction physiologique de la vitamine D est la régulation du métabolisme phosphocalcique. Le 1-alpha-dihydroxycholécalciférol va stimuler la synthèse des calcium-binding protéines, c'est-à-dire des protéines transporteuses du calcium, et il stimule donc l'absorption intestinale du calcium. Elle permet d'élever la calcémie et favorise ainsi la minéralisation de l'os, la minéralisation osseuse. Alors, la carence en vitamine D va se traduire par une utilisation inadéquate du calcium par les os, ce qui va entraîner le rachitisme chez l'enfant et l'ostéomalacie chez l'adulte. Alors, le rachitisme, c'est une maladie observée chez le nourrisson et le jeune enfant. Alors, elle est caractérisée par une insuffisance de calcification des os et des cartilages,
ce qui va entraîner des déformations osseuses. Alors, le cartilage, c'est le tissu dur et élastique qu'on trouve entre de nombreuses jonctions osseuses et qui va amortir les chocs dus au mouvement. Alors, le rachitisme se trouve dans les pays faiblement ensoleillés ou dans les pays où les enfants vivent couramment cloîtrés, c'est-à-dire enfermés. Il touche les enfants entre 6 et 18 mois. Alors là, regardez, c'est un enfant éthiopien avec un rachitisme. Là, c'est un garçon européen de 13 ans qui présente également un rachitisme. Alors regardez dans les deux photos, remarquez la déformation importante du squelette. Alors, le manque de vitamine D peut entraîner donc des ravages. Alors, remarquez l'incurvation concave en dedans des membres inférieurs de telle façon que les genoux se touchent. Alors, cette incurvation, c'est l'un des signes cliniques de la maladie, du rachitisme, dû à une insuffisance de calcification des os. Alors, l'ostéomalacie. Alors, l'ostéomalacie, c'est une maladie osseuse du sujet adulte qui consiste en une décalcification des os mûrs qui deviennent dès lors fragiles. Alors, la décalcification osseuse, elle est induite par un défaut de minéralisation de la trame protéique du squelette, c'est-à-dire un manque d'ions calcium et phosphate. Alors, l'ostéomalacie, elle est caractérisée par un ramollissement progressif des os associé à des douleurs osseuses. Alors, c'est en quelque sorte l'équivalent chez l'adulte du rachitisme de l'enfant. Alors, il est à noter, d'accord, que l'ostéomalacie qui se traduit par une déminéralisation du tissu osseux est à distinguer de l'ostéoporose où la minéralisation elle est normale mais où il y a une réduction de la même osseuse. Donc l'ostéomalacie diffère de l'ostéoporose. Alors maintenant on va voir les maladies nutritionnelles liées à la carence en vitamine E. Alors la vitamine E, c'est le principal antioxydant liposoluble de l'organisme et elle va inhiber la peroxydation des acides gras insaturés, c'est-à-dire avec des doubles liaisons, à la fois au niveau membranaire et lipoprotéique. Alors, la localisation membranaire de la vitamine E lui confère un rôle stabilisant et anti-hémolytique, c'est-à-dire qui s'oppose à l'hémolyse. Alors, l'hémolyse, c'est la destruction des globules rouges, des érythrocytes. Alors, l'hémolyse peut être normale et physiologique, c'est la destruction des vieux érythrocytes au niveau de la moelle osseuse, comme elle peut être pathologique. Dans ce cas, c'est une destruction anormale et précoce des globules rouges au niveau de certains organes comme la rate, le foie et les vaisseaux sanguins. Alors, c'est quoi la peroxydation des lipides? Alors, la peroxydation des lipides ou encore la peroxydation lipidique ou lipoperoxydation, c'est l'oxydation des lipides insaturés catalysée par une enzyme peroxydase. Alors, notons que la peroxydase catalyse l'oxydation des lipides en utilisant le peroxyde d'hydrogène, c'est-à-dire le H2O2, comme accepteur d'électrons. Alors, cette peroxydation va conduire à la formation d'hydroperoxyde instables qui sont des radicaux libres. Alors, ces hydroperoxydes sont responsables du rancissement des aliments, c'est-à-dire l'altération des aliments entraînant une modification de leur odeur et de leur saveur. Et in vivo, ils sont responsables de dommages tissulaires comme la diminution de la fluidité membranaire. Alors, les antioxydants comme la vitamine E
pourrait réduire tous ses effets néfastes. Alors, la carence en vitamine E va se traduire par des signes neuromusculaires comme l'hyporéflexie, la diminution de la sensibilité proprioceptive, la parésie, parfois la myopathie et des troubles de la motricité digestive et oculaire. En plus des signes neuromusculaires, on a des signes hématologiques, principalement l'anémie hémolytique, on a des signes immunitaires et parfois ophtalmologiques comme la rétinopathie pigmentaire. Alors, c'est quoi l'hyporéflexie? C'est la diminution de tous les réflexes. Alors, la diminution de la sensibilité proprioceptive, c'est la baisse des sensations qui proviennent des muscles, des tendons et des articulations. Alors, les tendons, c'est un faisceau de tissu conjonctif qui est dense et résistant et qui permet de lier les muscles à des points d'insertion éloignés sur les os. Alors, notons que les récepteurs de la sensibilité proprioceptive se trouvent essentiellement au niveau des muscles et des tendons. Alors, ces récepteurs vont renseigner sur l'état d'étirement du tendon ou de contraction du muscle. Alors, parmi les signes neuromusculaires provoqués par la carence en vitamine E, on a la parésie. C'est une légère paralysie se manifestant par un affaiblissement du travail de certaines fibres musculaires et une diminution de la force musculaire. Alors, parmi les autres signes neuromusculaires dus à la carence en vitamine E, on a la myopathie. Alors, les myopathies sont un sous-groupe de la famille des maladies neuromusculaires se traduisant par une dégénérescence du tissu musculaire. Alors, le processus pathologique de cette maladie se caractérise par le remplacement progressif des fibres musculaires par des cellules graisseuses, les adipocytes, et du tissu conjonctif, ce qui va provoquer une diminution de la force musculaire. Alors, la carence en vitamine E provoque aussi des troubles de la motricité digestive et oculaire. Alors, parmi les signes hématologiques provoqués par la carence en vitamine E, on a l'anémie hémolytique. Alors, une anémie hémolytique est due à la destruction excessive des hématites, c'est-à-dire des globules rouges. Alors, la destruction accélérée des globules rouges est due à la présence anormale dans le sang du malade de certains anticorps, auto-anticorps, dirigés contre les propres globules rouges du malade. Alors, parmi les signes ophtalmologiques provoqués par la carence en vitamine E, on a la rétinopathie pigmentaire. Les rétinopathies pigmentaires, ce sont des maladies génétiques qui vont s'attaquer progressivement aux cellules photoréceptrices de la rétine. Alors, la rétine, c'est la membrane qui tapisse la face interne de l'œil. Elle est formée de cellules qui permettent de capter les rayons lumineux et de le transformer en influx nerveux qui va gagner le cerveau. Alors, bien sûr, on a dit que les rétinopathies pigmentaires, ce sont des maladies génétiques qui vont s'attaquer progressivement aux cellules photoréceptrices de la rétine et qui vont conduire petit à petit à la cécité. Alors, les premiers symptômes, on a souvent des difficultés à voir de nuit ou au contraire, on a une gêne à la lumière du jour. Après, et petit à petit, la rétine va se pigmenter de taches, d'où le nom de la maladie. Alors ici, on a une rétinographie, c'est-à-dire une radio de la rétine, montrant une rétinopathie pigmentaire. Alors observez la rétine pigmentée de taches noires. Alors vous voyez ces taches noires.
Alors, maintenant, la carence en vitamine K. Alors, la vitamine K comprend la ménaquinone et la phylloquinone. La ménaquinone ou bien la vitamine K2, elle est synthétisée par la flore intestinale de l'homme. La phylloquinone ou bien la vitamine K1 doit être apportée par l'alimentation. Alors, les deux vitamines, que ce soit K1 ou K2, ce sont des coenzymes essentielles à la synthèse de plusieurs facteurs de coagulation par le foie, y compris la prothrombine. Alors la prothrombine, elle est clivée, elle va donner la thrombine. La thrombine, c'est elle qui va provoquer la transformation de la fibrinogène soluble en fibrine insoluble qui va former le caillot ou bien le clou plaquettaire. Alors, la carence de la vitamine K qui peut être observée dans les pathologies digestives chroniques va se traduire par un retard du temps de coagulation du sang, ce qui va entraîner des saignements excessifs. Alors, maintenant, on va voir les maladies nutritionnelles dues aux carences en vitamines hydrosolubles. Alors, on va commencer par le groupe des vitamines B, spécialement la vitamine B1. Alors, la vitamine B1, c'est ce qu'on appelle aussi la thiamine ou bien anurine, fait partie des vitamines hydrosolubles. Alors, la vitamine B1, elle possède plusieurs fonctions. Tout d'abord, c'est le précurseur de la thiamine pyrophosphate, coenzyme essentielle à certaines décarboxylases, c'est-à-dire qui catalyse les décarboxylations, le départ d'un groupement carboxyle CO2. Elle favorise également la transformation des glucides en énergie et elle est nécessaire au bon fonctionnement du système nerveux et musculaire. Elle facilite également la dégradation de l'acide pyruvique en CO2 et en H2O. Cet acide pyruvique, il est toxique pour le système nerveux. La vitamine B1 est essentielle à la synthèse de l'acétylcholine. Alors, la carence en vitamine B1 entraîne des manifestations neurologiques. Les tissus nerveux ont en effet un métabolisme orienté préférentiellement vers l'utilisation des glucides et sont donc très dépendants de l'apport en thiamine qui permet d'assimiler les glucides. Alors, plus précisément, une carence en cette vitamine entraîne le beri-beri. Alors, le beri-beri, c'est une polyneuropathie, c'est-à-dire une atteinte du système nerveux périphérique comportant des atteintes multiples de nerfs et de fibres nerveuses. Alors, la neuropathie, appelée également neuropathie périphérique, elle désigne un trouble qui endommage les nerfs périphériques, c'est-à-dire ceux qui transportent l'information entre le système nerveux central et le reste du corps. Alors la neuropathie, elle peut entraver les sens, les mouvements ou la fonction des organes internes. Alors les dommages provoqués à un seul nerf sont appelés mononeuropathies et les dommages provoqués à un grand nombre de nerfs simultanément sont appelés polyneuropathies. Alors, la carence en vitamine B1 provoque une maladie qu'on appelle le beri-beri. Alors, le beri-beri est une polyneuropathie dont les symptômes comprennent. Vous avez une perte de poids, des troubles émotionnels, un dysfonctionnement des fonctions sensorielles, une faiblesse physique, une atrophie, c'est-à-dire une diminution du volume musculaire, ce qui va entraîner un déficit moteur et une irrégularité du rythme cardiaque. Alors, on a ici photo d'un enfant éthiopien
atteint de beriberi. Alors, observez la faiblesse physique, l'atrophie musculaire, d'accord, et la maigreur qui entraîne un déficit moteur. Alors, l'enfant est obligé d'utiliser des béquilles pour se déplacer. Là aussi, ces quatre hommes souffrent de beriberi. Ils sont tellement amaigris qu'on peut observer les côtes de la cage thoracique et les os des membres supérieurs et inférieurs. Donc l'atrophie musculaire, elle est très accentuée. Alors maintenant, on va voir les maladies dues à la carence en vitamine B2. Alors la vitamine B2, ou bien ce qu'on appelle la riboflavine, est aussi une vitamine hydrosoluble. Alors la vitamine B2 ou riboflavine, elle est transformée dans le foie en présence d'ATP en flavine mononucléotide, c'est-à-dire FMN phosphorylée, et en flavine adénine dinucléotide, le FAD. Le FAD et le FMN, ce sont des cofacteurs indispensables à de nombreuses enzymes, principalement les oxydases, notamment dans les cellules des yeux, des tégument, c'est-à-dire des tissus de recouvrement, de la muqueuse intestinale et du sang. Une carence en vitamine B2 peut entraîner une utilisation inadéquate de l'oxygène, ce qui va provoquer une vision brouillée, des ulcères de la cornée, c'est-à-dire des lésions de la cornée, et des cataractes. Alors, la cataracte, elle est définie comme étant un trouble de la vision qui survient lorsque le cristallin, c'est-à-dire cette petite lentille convergente ovale située derrière la pupille, perd de sa transparence, il devient opaque. Le cristallin, c'est une lentille biconvexe qui concentre les rayons lumineux sur la rétine. D'accord? Dans la cataracte, elle perd sa transparence et devient opaque. Alors, cette opacification est responsable d'une baisse progressive de la vue au début, accompagnée de gêne à la lumière. C'est ce qu'on appelle la photophobie. Alors ici, cataracte, on a une cataracte totale visible dans la pupille. D'accord? Elle est de couleur rougeâtre. D'accord? Cette zone rougeâtre, elle est de couleur rougeâtre. Alors la carence de la vitamine B2 peut également provoquer une dermatite, une peau crevassée, des lésions de la muqueuse intestinale ainsi qu'une anémie hypochrome. Donc, on a dit que la carence en vitamine B2 peut provoquer la dermatite. La dermatite, c'est un terme qui désigne les maladies de la peau qui peuvent avoir plusieurs causes. Ici, photo qui montre un enfant souffrant d'un type de dermatite, la dermatite atopique ou eczéma atopique. Alors, remarquez la présence de lésions sèches et de plaques rouges sur les joues de cet enfant qui caractérise ce type de maladie. Alors, la carence en vitamine B2 provoque aussi les crevasses. Les crevasses, aussi appelées gerçures, c'est une plaie linéaire de l'épiderme qui prend la forme d'un nid et de la partie superficielle du derme, à fond rouge vif, souvent sèche, parfois suintante, c'est-à-dire humide, est très douloureuse au contact d'un corps étranger. Alors ici, on remarquait photo de la crevasse en main. La carence en vitamine B2 peut entraîner également l'anémie hypochrome. Alors le terme d'anémie hypochrome désigne les anémies par manque d'hémoglobine, c'est-à-dire les anémies dues à la baisse de la concentration en hémoglobine des globules rouges. Alors maintenant, on va voir les pathologies provoquées par la carence en vitamine B3 ou PP. La vitamine B3, c'est le composant essentiel du NAD, c'est-à-dire du nicotinamide adénine dinucléotide,
et du NADP, c'est-à-dire le nicotinamide adénine dinucléotide phosphate, et qui est lié aux réactions d'oxydoréduction. Alors, la vitamine B3 est nécessaire au métabolisme des glucides, des lipides et des protéines. Alors, spécifiquement dans le métabolisme des lipides, la vitamine B3 inhibe la production du cholestérol et favorise la dégradation des triglycérides. Alors la vitamine B3 est aussi appelée vitamine PP pour pellagra préventive, car une carence en cette vitamine est responsable de la pellagre, maladie qui va se manifester par trois catégories de symptômes: la dermatite, la diarrhée et la démence. Alors, la démence, c'est une affection du cerveau se caractérisant par une dégénérescence, c'est-à-dire une destruction dont la cause n'est pas connue avec certitude, ce qui va entraîner un affaiblissement, pardon, qui va survenir progressivement de toutes les activités intellectuelles, que ce soit la mémoire, le jugement, la concentration, le raisonnement et le langage. Alors, la pellagre, d'accord, c'est une dermatose qui va affecter les zones exposées dans la pellagre. Alors, observez sur les mains et les pieds les lésions cutanées sèches, squameuses, c'est-à-dire en écailles, et finalement craquelées, c'est-à-dire fendillées en surface. Alors, la peau, elle est brillante, fine et dépigmentée.